Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale décryptage sur les ordonnances en direct du siège du comité national du PCF. Alors, après beaucoup d'atermoiements, de fausses communications, voire d'esbroufes, nous avons le projet enfin en notre possession. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la note est particulièrement salée pour les salariés. Alors, avant d'aller plus loin sur le contenu de la réforme du travail, du Code du travail, avec l'aide de nos trois invités que je m'empresse de vous présenter. Alors, j'ai l'honneur d'accueillir Laurence Cohen, qui est sénatrice du Val-de-Marne. Bonjour. Pierre Daréville, qui est député des Bouches-du-Rhône. Et Benjamin Hamard, qui est syndicaliste. Alors, je veux d'abord revenir sur deux choses. D'abord, revenir sur, ça n'a pas été trop remarqué par la presse, mais l'aveu de taille du Premier ministre, qui en préambule de sa conférence de presse, précise que, je le cite, « le droit du travail n'est pas la première cause du chômage en France ». Quel aveu ! Voilà qui est parlé d'or. Après, ça induit une autre question, mais alors pourquoi cette réforme, pourquoi ces ordonnances ? Ensuite, je voudrais d'abord qu'on commence par la méthode employée, avant de venir évidemment sur le contenu de la réforme. Le Premier ministre, dans sa conférence de presse, parle d'un texte équilibré et juste, et parle de concertation. Alors vous, je crois que ça appelle à un commentaire de la part de nos invités. Et je vais commencer par les parlementaires, et notamment Pierre Daréville, qui est député des Bouches-du-Rhône, pour voir si ma mémoire ne me fait pas de défaut, a été, je crois, dessaisi de son droit d'élaborer la loi. Ben oui, bon, le gouvernement, depuis le début, produit un discours bien rodé, en réalité, qui a consisté à expliquer au Parlement qu'il fallait faire confiance au dialogue social. C'est une formule que j'ai entendue à de très nombreuses reprises à chaque fois que nous l'avons interpellé. Il a demandé un champ d'habilitation à légiférer par ordonnance extrêmement large. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons cherché dans le débat parlementaire à essayer de réduire l'espace dans lequel le gouvernement allait pouvoir retoucher le Code du travail sans notre participation, eh bien, au contraire, il a expliqué voilà, il faut tout laisser ouvert, il faut nous donner toutes les possibilités parce qu'il y a une grande concertation en cours et donc vous ne faites pas confiance au dialogue social, etc. Donc les parlementaires ont été appelés à se dessaisir de leur mission première, qui est celle d'écrire la loi. C'est inscrit dans la logique des ordonnances. Les ordonnances conduisent à cela. C'est une manière de faire qui, effectivement, est autoritaire. Alors, le gouvernement a dit, oui, c'est pas autoritaire, c'est inscrit dans la Constitution. Mais nous savons très bien que dans cette Constitution, que nous critiquons beaucoup, par ailleurs, il y a tous les outils pour, effectivement, contourner non seulement les droits du Parlement, mais à travers les droits du Parlement et à travers bien d'autres choses, la souveraineté populaire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième chose, c'est que la concertation dont il a été fait état, il faudrait l'évaluer d'un peu plus près. Et c'est vrai, là, on est dans un moment où on n'a pas pris le temps complètement d'analyser le texte. Il va falloir le faire. On est dans une première réaction. Il va falloir regarder. Les syndicats eux-mêmes vont regarder qu'est-ce qui a été écouté de ce qu'ils ont pu dire dans ces discussions. Mais peut-être que Benjamin en dira quelques mots après moi. La concertation, d'abord, c'est de la concertation. C'est pas de la négociation. C'est la première chose. Il y a une nuance et elle est de taille. Et ensuite, la qualité de la concertation, ça se discute. C'est-à-dire, s'il s'agissait simplement de convier les syndicats à venir exprimer un avis sans ensuite discuter réellement d'un certain nombre de points sur lesquels on pourrait essayer de trouver quelle est la bonne formule, etc., etc. Bon, voilà. Or, moi, j'ai le sentiment, mais je n'y étais pas dans ces discussions-là, j'ai le sentiment que ce qui s'est passé, c'est plutôt ça. C'est-à-dire on a demandé aux organisations syndicales de venir éventuellement donner un avis, mais ensuite, dans la manière dont ça s'est déroulé, on ne leur a jamais dit « bon, ce que vous avez dit, là, c'est intéressant, on va le reprendre », ou « là, nous sommes en désaccord, et au contraire, nous allons avancer dans une autre direction », etc. Bon, ça s'est pas passé, voilà, de cette façon-là. Donc peut-être les deux remarques qu'on peut faire, c'est celle-là, et je pense que, en tout cas, pour terminer, la première fois que les organisations syndicales sont venues à la commission des affaires sociales, elles avaient déjà rencontré le gouvernement, donc on les a auditionnées,
j'ai pas senti un grand enthousiasme à l'égard de la réforme qui a été proposée. J'ai bien lu dans la presse aujourd'hui qu'il y avait quelques évolutions dans l'appréciation des choses, mais je pense que tout ça mérite d'être affiné au regard de ce qu'il y a réellement dans le texte. Laurence ? Moi, au niveau du Sénat, il faut quand même rajouter, outre évidemment ce qu'a dit Pierre Dharréville et ce qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, donc la même chose au niveau du Sénat, mais moi je dois dire que l'argument qui est aussi donné pour attaquer le Code du travail, c'est ça, tu l'as dit au départ, sa complexité qui finalement entraverait l'emploi, entraînerait donc une des causes principales du chômage. Or, on voit bien que dans toutes les instances, non seulement en France, mais je dirais internationales, hein, que ce soit l'OCDE, l'OIT, la Banque mondiale, etc., et même l'INSEE, toutes ces instances-là reconnaissent qu'il n'y a pas un lien, justement, entre le Code du travail et la problématique du chômage. Et y compris les employeurs eux-mêmes ne placent la complexité, soi-disant, et je mets plein de guillemets à complexité du Code du travail, en quatrième position. Donc déjà, ça repose sur un mensonge. Et quand on parle, évidemment, de concertation, je trouve que c'est quand même extrêmement important à nouveau de dénoncer la manière autoritaire dont ça s'est passé au niveau du Parlement d'une manière générale, parce que les ordonnances, comme l'a dit Pierre, même si c'est dans la Constitution, c'est quand même extrêmement brutal. Et puis c'est le fait, moi, qui m'est choquée, c'est que on a eu plus de 40 heures de débat au niveau du Sénat. À aucun moment, la ministre du Travail n'a pu répondre à une question de notre groupe, le groupe communiste, républicain et citoyen, en quoi les mesures qui sont concoctées de casse du Code du travail vont s'attaquer réellement au problème du chômage. Et la deuxième chose qui m'a énormément choquée, c'est quand on parle de concertation, alors évidemment, peut-être que l'exemple, c'est celui qu'ont vécu les syndicats avec la loi El Khomri, où il n'y avait eu aucune discussion. Donc là, il y a eu discussion, mais il n'y a pas eu négociation, il n'y a pas eu vraiment co-élaboration de quoi que ce soit. Et ce qui me choque, c'est quand on invite les partenaires, eh bien finalement, ils ne peuvent même pas avoir l'authenticité du texte. Ils voient, à la limite, s'ils lisent à l'envers, c'est pas mal. Ils voient quelques petites mesures, mais quand ils ressortent, eh bien ils ne doivent surtout pas prendre avec eux le texte. Donc pouvoir y travailler, pouvoir échanger, pouvoir concerter. Et ça, moi, je trouve que c'est un déni de démocratie. Merci Laurence. Bon, donc alors, on a vu ce qui s'est passé du côté des parlementaires. Donc, la concertation au niveau des partenaires sociaux, ça donnait quoi? Alors, effectivement, on est passé avec la loi El Khomri à une absence totale de négociation et de concertation à une mascarade. Philippe Martinez a utilisé l'expression d'enfumage. C'est exactement ça. En réalité, il y a eu deux aspects. D'abord, il y a eu un aspect course contre la montre, enfin, gagner du temps. Je rappelle que les premières fuites dans la presse, elles datent, dans le Parisien, d'une semaine avant le premier tour des élections législatives. Et les fuites, qui en fait correspondent tout à fait au texte qu'on a aujourd'hui, avaient été pointées par le gouvernement dans un exercice de boniment assez rare. Le gouvernement avait dit dans un premier temps « c'est des faux », puis ensuite ils avaient dit « c'est un juriste qui a travaillé de manière isolée ». Bon. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne voulait pas être sanctionné politiquement aux législatives vis-à-vis de cela. Je rappelle que dans le programme d'Emmanuel Macron, cette question du Code du travail était traitée de manière extrêmement floue. Il s'agissait de simplifier. Voilà. Donc, et puis ensuite, ça a été la mauvaise saga de l'été. Vous savez, le suspense a été conservé avec encore plus de soin que la dernière série de Game of Thrones. Ça a été sans cesse des informations éparses, générales. Alors, effectivement, Laurence Cohen rappelait que dans les réunions, on demandait aux organisations syndicales, on leur donnait des ordres, en leur disant « vous n'avez pas intérêt à de faire fuiter les choses ». La CGT avait répondu qu'elle informerait les salariés et qu'elle n'avait aucun diktat à recevoir. Et puis, des fois, on mettait le texte et on disait « vous n'aurez pas de photocopie ». Vous avez le droit de prendre des notes, mais vous n'aurez pas de photocopie. Donc, bien évidemment, tout ça pour gagner du temps, pour qu'à la fin août, enfin, on obtienne effectivement les ordonnances. Aujourd'hui, on ne peut d'ailleurs pas on peut pas répondre à tout, parce que c'est 159 pages avec 36 propositions, et on vient de les avoir, donc il va falloir qu'on décortique un petit peu tout ça. Mais d'emblée, outre la question suspense, pourquoi faire?
Ce suspense, pourquoi faire pour, mais bien pour essayer de court-circuiter la mobilisation, pour essayer de gagner du temps et faire en sorte que le temps de la mobilisation soit le plus court possible, puisque le vote en aval est prévu pour octobre. Et ensuite, derrière, mascarade. Parce qu'en réalité, derrière, la CGT, elle a joué le jeu. Elle aurait pu faire la politique de la chaise vide, vu ce qui s'annonçait. Elle a fait le choix et elle a eu raison de rester. Mais derrière, elle a donc fourni, pour avoir une concertation fructueuse, 15 pages de propositions. Elles sont restées lettres mortes. Voilà. Quand la première organisation syndicale de France fait 15 pages de propositions, vous voyez, on peut des fois nous caricaturer les éternels protestataires qui n'ont rien à proposer, hein. Eh bien non, on est arrivé à 15 pages de propositions. La réponse du gouvernement, ça a été « Ouais, nous, ma cache, que dalle ». Donc on est bien, effectivement, dans une mascarade et dans un simulacre de concertation. On a bien compris. Donc maintenant, on va rentrer dans le concret de la réforme, même si ça a été dit. Pierre, tu veux dire quelque chose, mais rapide, parce qu'ensuite, il faut qu'on avance. Oui, non, mais rapide, parce que là, on a parlé de la forme, la manière dont ça s'est passé. Ils ont gagné 10 jours de plus, d'ailleurs, en passage, puisque au départ, on devait avoir des informations sur les ordonnances le 21, c'est-à-dire il y a 10 jours. Oui. Hein, voilà. Donc ça correspond à ce que tu dis. Sur l'idée, deux choses très rapides. La première, c'est qu'on avait eu une grande mobilisation dans le pays au moment de la loi El Khomri. Et là, on refait une réforme sur le Code du travail. En plus par ordonnance, ça aurait mérité un vrai grand débat public qui n'a pas eu lieu. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Et la deuxième chose, mais on va y rentrer en venant dans le détail, c'est que ce qui est pour nous le plus révoltant au-delà de la méthode, c'est la logique du texte qui nous a été proposé et des ordonnances qui sont là-dedans. Donc il faut qu'on cause de ça parce que en réalité, ce que disait Laurent sur la non-réponse du gouvernement sur l'idée comment ça va aider à régler le problème du chômage, c'est qu'en réalité, ils n'ont jamais voulu affronter cette question-là. Et c'est un texte qui est profondément libéral et qui va répondre aux exigences du MEDEF, principalement. Donc je crois qu'il faut dire ça, parce que la mobilisation qui se prépare, elle est d'autant plus nécessaire. — Alors ça me paraît d'enchaîner sur une des parties où, justement... Là, on est vraiment sûr que c'est le patronat qui a tenu le stylo. C'est sur la question des indemnités prud'homales. Donc, voilà. Donc, manifestement, aujourd'hui, les indemnités prud'homales empêchent, quand on écoute un peu le patronat, empêchent de pouvoir embaucher parce qu'il y aurait trop. Il faudrait, voilà, pouvoir licencier sans contrepartie et surtout ne pas respecter le droit, et c'est vraiment un problème. Donc, on a aujourd'hui, d'abord, pour pouvoir faire sa demande, le recours va être plus que de. Va durer un an au lieu de deux ans, possible. Et on va diminuer maintenant, il y aura un plafond. Pour les indemnités prud'homales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc, je vais poser la question d'abord à Benjamin. Alors, il y a un plafond, effectivement, de 20 mois de salaire si on a 30 ans d'ancienneté, puis il y a un plancher aussi, qui passe de 6 mois à 3 mois de salaire hein, quand on a 2 ans d'ancienneté. Donc, autrement dit, pour faire simple, on facilite les licenciements abusifs en diminuant le délai de recours, en imposant un plafond au rabais. Hier, j'étais dans un débat sur une chaîne de télé avec le président de la CPME, qui, dans là aussi, un exercice de baratin, mais incroyable, osait nous dire que le plafonnement n'allait pas forcément être au rabais. Aujourd'hui, on l'a, hein, factuellement, et donc c'est bien un plafonnement au rabais. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de permettre à l'employeur de budgétiser d'une manière intéressante un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais qu'est-ce que c'est qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse? C'est un licenciement abusif. Ça s'appelle... vous savez, il y a le permis de polluer. Ça, c'est un permis de licencier, à moindre frais. Voilà. Donc, derrière, l'idée... Mais c'est extrêmement grave. Parce que si... Vous savez, la protection contre le licenciement abusif, c'est la clé de voûte du Code du travail. Si un salarié... c'est qu'à tout moment, il peut se faire licencier de manière abusive et que ça n'impactera pour l'employeur que des choses tout à fait supportables. Mais il va se retrouver paralysé. Vous croyez qu'il va aller au prud'homme pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires? Le but, encore une fois, c'est de s'attaquer au prud'homme. Pourtant, la loi Macron s'y est déjà attelée.
Je rappelle que les saisines au prud'homme ont diminué depuis 2 ans de 30 à 40% dans le Val-de-Marne, puisque je suis un des responsables de l'UD du Val-de-Marne. Eh bien, c'est ce qu'on a pu observer, grâce aux ruptures conventionnelles, grâce aussi aux dispositions de la loi Macron. Eh bien là, maintenant, l'idée, c'est d'affaiblir encore plus les prud'hommes, et donc derrière, de sacraliser la toute-puissance du patron dans l'entreprise. C'est extrêmement grave, et je vais vous dire quelque chose. C'est, pour Emmanuel Macron, une véritable obsession. C'est la troisième fois qu'Emmanuel Macron essaye, et là, cette fois-ci, il va y arriver, de mettre cela dans un projet abouti. Il avait essayé au moment de la loi Macron, en 2014-2015, ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Il a essayé, au moment de la loi El Khomri, de l'imposer à nouveau. Là, c'est la mobilisation qui a obligé la remise de la mise au grenier de cette proposition. Là, elle revient par la fenêtre, parce qu'Emmanuel Macron sait que c'est un des rêves du MEDEF, une proposition du MEDEF de très longue date, et on voit bien qu'il a très très envie de faire plaisir à Pierre Gattaz à travers cette revendication historique du patronat français. Je continue là-dessus, mais du point de vue justement, par rapport à ce qu'il vient de dire, du point de vue parlementaire, je sais qu'il y a eu, une organisation un petit peu nouvelle, c'est-à-dire que les trois groupes de gauche ont décidé notamment de saisir le Conseil constitutionnel sur cette loi-là. Est-ce que de ce point de vue-là, il va pouvoir aller au bout, le président, sur son projet de loi ? Ça fait partie des éléments qui peuvent motiver effectivement la contestation que nous avons déposée devant le Conseil constitutionnel, puisque c'est une mise en cause du pouvoir du juge. En réalité, c'est-à-dire qu'on porte atteinte à la capacité du juge à prendre une décision pleinement libre, compte tenu d'une situation particulière. Parce que chaque situation est particulière. Quand un salarié va au prud'homme, il expose sa situation, on juge cette situation. Voilà. Là, on généralise et donc on oblige le juge à rentrer dans un cadre prédéfini. Mais je rappelle, pour insister sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cadre simplement d'un licenciement, qui serait, inscrit dans soit une logique économique ou bon voilà ou bon, c'est on est dans un licenciement qui est illégal. Ouais, toujours. Donc on ne parle pas des indemnités en réalité. On parle des dommages et intérêts. C'est-à-dire que ce sur le quoi le juge va statuer, c'est ça, c'est-à-dire les dommages et intérêts et qui sont liés forcément au préjudice subi par le salarié en question. Donc en cherchant à limiter ça, ça rejoint ce qui vient d'être dit, je ne vais donc pas le répéter. Voilà. Donc cette manière de mettre en cause le pouvoir du juge, de ne pas faire confiance à la justice, d'une certaine façon, je crois que c'est effectivement critiquable du point de vue des principes constitutionnels et que ça peut fonder, disons, un certain succès du recours que nous avons déposé. D'accord. Mais quand même, ça s'appuie sur une logique qu'on va voir au fur et à mesure, effectivement, des cas précis. C'est-à-dire que ce soit hier avec la loi El Khomri ou maintenant avec cette nouvelle loi qu'on a surnommée loi travail XXL, c'est la négation de ce qui existe dans l'entreprise, c'est-à-dire un lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Et donc, à partir de cette négation, on fait voler en éclats le Code du travail, qui est une protection des salariés. Et ce qui est extrêmement grave là au niveau des prud'homales, outre toutes les attaques précédentes quand même contre les moyens qui étaient pour les prud'hommes, mais ce qui est extrêmement grave là aujourd'hui, c'est qu'en plus, moi j'aime bien l'expression, c'est un permis de licencier, parce que là, on est sur quelque chose qui est terrible, c'est-à-dire normalement, il n'y a pas de possibilité de licencier, il n'y a pas eu de faute, voilà, il n'y a pas eu de faute du salarié. On est donc dans un droit presque abusif de l'employeur et le gouvernement lui offre sur un plateau la possibilité eh bien, de faire son petit calcul et de se dire bah, finalement, bah, ça va être plus rentable de licencier parce qu'on va encore augmenter le capital au niveau des actionnaires. Et on va voir que toute cette logique-là, donc la négation de ce lien de subordination et donc toutes les protections du Code du travail, elles sont laminées
par les propositions qui nous sont faites aujourd'hui, et avec un discours qui est « on simplifie, il faut être pragmatique ». Et ça, c'est un discours qui empoisonne la réalité, parce que c'est tout le contraire qui va se... Parce que juste une phrase, Gérald. Juste une phrase, oui. Il faut que j'avance. Ouais. Non, mais parce que, pour qu'on comprenne bien, l'argument principal qui a été avancé pour justifier cette mesure, c'est « on ne peut pas prévoir, l'employeur ne peut pas prévoir ». Oui. Ce risque-là, voilà. Donc, mais c'est un risque qui ne devrait pas exister. Si on respecte la loi, il n'y a pas de problème. Ouais. Merci de la précision. Je vais parler d'un sujet qui est vraiment le sujet que met en avant le gouvernement et sur lequel voilà, il veut afficher, sur lequel il veut communiquer. C'est celui des très petites et petites entreprises. En expliquant qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de représentation syndicale dans ces unités, du coup, aujourd'hui, il faut imaginer un dispositif. Donc maintenant, les ordonnances prévoient de pouvoir négocier directement, quand on est dans une entreprise de 10 salariés, avec son patron. Alors, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose, Benjamin ? Vous savez, moi, alors ça, j'adore, pour ça, je prends un exemple, toujours, puisque c'est bien de partir des entreprises qui vont anticiper la loi, et c'est le cas, par exemple, de l'entreprise Smart. Dans l'entreprise Smart, on a fait un référendum consultatif sur le fait d'accepter une baisse, une augmentation du temps de travail et une baisse des salaires. Et alors, l'entreprise Smart a associé ce référendum consultatif à la signature d'avenants individuellement, ou alors la direction de l'entreprise discutait directement avec le salarié en le faisant venir dans le bureau de la direction et en lui disant « t'es gentil là, t'acceptes ou pas ?» le principe de l'augmentation du temps de travail et de la baisse des salaires. Et là, magie, 97% des salariés signent. Mais ça, ça s'appelle du référendum dans l'entreprise avec un pistolet sur la tempe. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, cette idée de négocier dans l'entreprise, on remarque surtout qu'elle se fait avec une volonté farouche de contourner les syndicats. Puisque dans les entreprises de moins de 11 salariés, il y a la possibilité tout simplement de mettre en place un référendum dans l'entreprise, c'est-à-dire un accord signé à la majorité des salariés, un référendum. Et dans les entreprises de 11 à 20 et de 20 à 50, il y a la possibilité de négocier avec un élu du personnel non mandaté par une organisation syndicale. Alors ça d'abord, ça va être en contradiction avec les principes de l'OIT. Il faut rappeler ce que c'est que l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, c'est l'ONU. Et l'ONU, c'est l'institution onusienne sur les questions du travail. Et qu'est-ce que disent les conventions de l'OIT ? Que la négociation, ça se fait avec les syndicats. Eh bien, cette disposition-là, elle est complètement en contradiction avec cette législation internationale. Et en l'occurrence, elle a pour but de court-circuiter les syndicats. Ni plus, ni moins. Donc c'est très amusant d'entendre, ces déclarations d'amour au dialogue social, alors qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est mettre en place un face-à-face entre les salariés et le patron, avec le moins possible l'intervention syndicale. Ça, encore une fois, ça n'est pas nouveau. Emmanuel Macron se présente sous les oripeaux de la nouveauté. Il faut lui signaler que ça, c'est exactement ce qui se passait à la fin du 19e siècle, lorsque les syndicats, et même dans une grande partie du 20e siècle, lorsque les syndicats n'avaient pas droit de cité dans l'entreprise. Donc c'est une régression sociale organisée. C'est d'ailleurs pour cela que des syndicats qui, pourtant, ont montré leur capacité, à bien s'entendre avec les propositions de régression sociale, sont sortis aujourd'hui avec un air un peu dépité, signalant que c'était très décevant. Oui. Parce que là-dessus, ils espéraient un peu de grain à moudre. Or, en l'occurrence, c'est pas simplement la CGT qui se plaint justement d'être ainsi court-circuitée, c'est toutes les organisations syndicales qui pourront difficilement l'accepter. C'est extrêmement grave. Ça montre bien, vous savez, ça correspond là aussi à la vieille velléité libérale de soi-disant ce face-à-face entre les salariés et le patron. On peut s'entendre, on est entre gens de bonne compagnie, niant ce que Laurence Cohen disait tout à l'heure, ce lien de subordination qu'il y a entre le patron et l'employé et qui justifie la présence syndicale, bien évidemment. Alors quand on écoute la ministre du Travail, Noëlle Pénicaud, entre les lignes sur l'OIT et ce genre d'organisme, on voit bien que c'est pas du tout sa tasse de thé. Alors, et on sent bien qu'elle veut s'exonérer, mais alors largement. Oui, mais ça, si vous voulez, là, en l'occurrence, ça me rappelle la phrase de Malcolm X. Vous savez, Malcolm X disait « Je ne m'étonne jamais lorsqu'un poulet rentre au poulailler ». Madame Pénicaud a gagné, rappelons-le, plus d'un million d'euros grâce à de la spéculation boursière
sur un plan social de 900 salariés, dont 250 en France. Quand elle était chez Danone. Lorsqu'elle travaillait chez Danone. Voilà. Si vous voulez, en l'occurrence, ça ne m'étonne pas beaucoup qu'elle fasse peu de cas de la législation de l'OIT. Ça ne m'étonne pas énormément. D'accord. On va continuer d'avancer. Un gouvernement qui se félicitait, qui était très fier de dire devant l'agence Bloomberger, je crois, parce que c'était la première question qui a été posée en conférence de presse, c'était à l'agence Bloomberger, comme quoi on donne des signaux très importants. Et cette agence disait, mais attendez, il ne se passe rien pour le CDI, vous ne touchez pas au CDI, comment ça se fait? Alors comme ça, on aurait donc un CDI qui serait passé entre les gouttes. Moi, je ne pense pas, j'ai vu un contrat de projet passer, j'ai vu des choses qui sont des armes de destruction massive, mais peut-être que je vous attends, vous, là-dessus, qui veut y aller. Bah, c'est-à-dire que cet exemple du CDI, c'est tout ce qu'on dit depuis le début qui est finalement mis en musique. C'est-à-dire qu'on voit que les ordonnances et toutes les propositions, elles sont sur une plus grande flexibilité des salariés et il n'y a rien par rapport à la sécurité des salariés. Et sur la discussion qu'on a eue au niveau du Sénat sur ces CDI de projet, il y avait une négation de la ministre de dire que, en fait, ça fragilisait encore davantage les choses, puisque là, et alors là, moi je suis intervenue parce qu'on joue sur les mots. Et les mots, pour moi, ont de l'importance, comme pour tout un chacun, ont de l'importance, mais peut-être aussi parce que je suis orthophoniste, donc la linguistique, j'y suis sensible, c'est une petite musique. CDI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire contrat à durée indéterminé. Indéterminé, ça veut dire quelque chose en langage et en langue française. Eh bien non, c'est un contrat à durée soi-disant indéterminé, mais qui est limité par le temps du chantier, par le temps d'un projet. Autrement dit, on n'est pas devant un contrat à durée indéterminée, avec les garanties que l'on connaît, etc. Donc, pour être... rester courtoise, on va dire. Je vais parler d'enfumage, mais c'est vraiment se moquer des salariés. C'est-à-dire que là, on va élargir encore une fois la possibilité pour le patronat de flexibiliser davantage les salariés et de généraliser des mesures qui ont déjà montré donc les conséquences extrêmement graves. Donc là, on est sur une attaque frontale par rapport au monde salarié. Alors, on l'a dit, on l'a dénoncé au niveau du Sénat, et la ministre a toujours employé la même méthode qu'elle a dû employer, j'imagine, aussi à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas. D'ailleurs, pour aller juste une petite phrase par rapport à ce qu'a dit Benjamin, nous, au niveau du Sénat, en fait, quand on a eu le débat, on était en plein dans la révélation faite par l'humanité sur les fameux stock options de la ministre. Donc évidemment, elle a été interrogée. La présidente de notre groupe a fait un rappel au règlement, etc. Elle a balayé cette question tout à fait, soi-disant, subsidiaire d'un revers de main. Donc ça en dit long aussi sur ceux qui nous gouvernent. Oui, sur cette question-là, une des choses que Mme Pénicaud a dites à plusieurs reprises, pour justifier la mise en œuvre de ce contrat de projet, c'est d'expliquer que le CDI, c'est formidable. C'est formidable. Et sans CDI, aujourd'hui, c'est très difficile de vivre. Et donc, en nous faisant la grande démonstration de combien c'est difficile aujourd'hui d'avoir un logement, d'avoir accès à un prêt, etc., quand on n'a pas de CDI. Et donc, c'est pour cette raison-là, disait-elle, que nous allons créer ce CDI de projet, qui en réalité n'est pas un CDI, et qui ne réglera pas, évidemment, tous les problèmes sociaux soulevés par ailleurs. Donc au contraire, il faudrait essayer de faire en sorte que le CDI soit la norme. Donc moi, ce que je voudrais dire, juste d'un trait, c'est que nous ne nous sommes pas contentés de critiquer ce texte. Nous avons formulé des propositions en la matière. Et nous avons formulé des propositions, notamment, pour lutter contre la précarisation de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, la plupart des embauches, en tout cas un très grand nombre majoritaire d'embauches, se font sous un régime précaire. Donc nous avons proposé d'intégrer
dans ce projet, ben des seuils, des quotas d'emplois précaires dans les entreprises, bon, etc. Nous avons fait un certain nombre de propositions pour que le CDI, effectivement, devienne la norme. Parce que ce contrat de projet, en réalité, il acte le fait qu'une entreprise n'investit pas sur l'avenir et sur, y compris, le savoir-faire de ses salariés, la manière dont les salariés vont développer leur savoir-faire et pouvoir, y compris, le mettre au service de l'entreprise par la suite, y compris lorsque le premier projet pour lequel ils sont embauchés va être terminé. Donc c'est une conception de l'activité économique qui est toujours la même, celle que nous connaissons, qui est la conception libérale. Benjamin Bas. Oui, ce qui est aussi un élément en plus de tout ce qui vient d'être dit, un élément qui me semble important, c'est de signaler aux citoyens et aux salariés qu'en réalité ce CDI de chantier, il présente, certes ce n'est pas un CDI, mais c'est encore pire aussi qu'un CDD. Ah oui. Parce que dans un CDD, vous avez une prime de précarité, vous avez une durée définie, minimum et maximum. Là, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de prime de précarité, vous n'avez pas de durée, vous pouvez être renvoyé à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment un contrat extrêmement, extrêmement précaire et qui fait partie de cette offensive contre le CDI. Parce que l'état d'esprit de ces ordonnances est aussi une offensive contre le CDI à travers ce CDI de chantier, à travers la question des indemnités prud'homales, des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, et puis aussi avec la facilitation des CDD. Et parce que ça va de pair hein, dans ces ordonnances. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce que j'ai cru comprendre à la lecture rapide de ce qu'on a eu, de ce qui a été révélé ce midi, c'est qu'en réalité, les motifs restent fixés par la loi, mais les modalités, c'est-à-dire les questions de renouvellement, les questions de durée, elles vont pouvoir être négociées dans les branches. C'est pour ça que nous, à la CGT, on dit un accord de branche, c'est vrai que c'est mieux qu'un accord d'entreprise, mais un accord de branche, c'est moins bien que la loi. C'est ça, oui. Voilà. C'est bon de ce dire. Qui signifie que selon les rapports de force dans les branches, on va pouvoir augmenter la durée d'un CDD, on va pouvoir augmenter le nombre de renouvellements, on va pouvoir réduire ou supprimer le délai de carence, vous savez, le délai de carence entre deux CDD. Voilà. Donc, autrement dit, tout ceci est un plan construit, mûrement réfléchi, une offensive contre le CDI. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on aime bien, les libéraux aiment beaucoup faire des comparatifs européens présentant la France comme, honnêtement, une sorte de régime exceptionnel en Europe, et notamment en comparaison, avec une comparaison avec l'Allemagne. Or, en Allemagne, au jour d'aujourd'hui, avant même l'adoption des ordonnances, la protection allemande sur le CDI, elle est plus importante qu'en France. Ah oui. Ce qui est libéralisé en Allemagne, c'est les CDD. Mais le CDI est protégé. D'ailleurs, il y a un indice de protection de l'emploi qui est mesuré par l'OCDE, et l'Allemagne est devant la France. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait faire la même démonstration avec les PSE. Oui. La législation sur les PSE en France, elle est, avant même l'adoption des ordonnances, entendons-nous bien, moins contraignante qu'en Allemagne, qu'en Irlande ou en Suisse, qui ne sont pas réputés pour être la République spartakiste. Hein. Mmh. Voilà. Je confirme. Donc j'ai deux sujets encore, voilà, parce qu'on avance, et puis je voudrais ensuite qu'on parle aussi de la suite, hein, de qu'est-ce qu'on va faire, parce que c'est bien beau aussi de parler du gouvernement et de ses projets, mais aussi il y a quelle mobilisation possible, et j'aimerais bien qu'il y ait un temps là-dessus. Donc, avant-dernier thème que je propose d'examiner, c'est celui donc de la fusion des instances représentatives du personnel. Donc aujourd'hui, il y a délégué du personnel, il y a CHCT, comité d'entreprise, donc maintenant, sous couvert de simplification, toujours pareil, les mêmes arguments. Donc, je vais m'adresser d'abord, évidemment, à Benjamin en premier, vous compléterez si vous jugez utile, mais qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence pour les salariés ? Là aussi, c'est une vieille demande du MEDEF de longue date, et elle va plus loin que ce que nous craignons de prime abord, c'est-à-dire qu'elle concerne certes, alors, donc, les CHSCT, les CE, les DP, mais avec la possibilité, parce que cette nouvelle instance va s'appeler le conseil d'entreprise, et elle va pouvoir aussi avoir un pouvoir de négociation. Ce qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait, notamment dans des entreprises où il n'y aura pas d'organisation syndicale, d'avoir une instance déconnectée du syndicat dans lequel il pourrait y avoir un pouvoir de négocier. Maintenant, ce qui était ciblé dans cette fusion, c'est le CHSCT. Alors, il faut savoir que le CHSCT, auquel les salariés sont très attachés, à partir de 50 salariés, c'est une instance qui a une personnalité juridique, qui lui permet de diligenter des enquêtes,
de se porter partie civile sur des questions de santé et de sécurité. Mmh. Bon, eh bien, bien évidemment, en fusionnant ainsi, on fusionne d'un côté un CHSCT qui était financé par l'employeur, avec un comité d'entreprise qui, lui, était en partie, en grande partie, subventionné par les cotisations salariales. Résultat des courses, va se poser la question du budget de cette instance. Va-t-elle mettre, va-t-elle s'occuper des questions de santé et de sécurité? Ou va-t-elle plutôt s'occuper des questions socio-culturelles qui étaient celles des comités d'entreprise? Donc on met les prérogatives en compétition les unes avec les autres, et surtout, on court-circuite la personnalité juridique qui pouvait faire en sorte qu'on porte plainte contre l'entreprise. Donc, là aussi, c'est bien évidemment une régression sociale. Le CHSCT était une conquête. Et le CHSCT était dans le viseur des organisations patronales depuis longtemps. Et là aussi, on se rend compte que on satisfait un desiderata du MEDEF. Honnêtement, moi, je dis que ces ordonnances, c'est à la fois la liste de Noël et de Hanouka pour le MEDEF. Il y a toute une partie de leurs rêves qui sont ainsi exaucés par une liste magique. Je comprends l'appel du pied de Pierre Gattaz il y a quelques jours qui disait dans Le Parisien, je crois, surtout tenez bon, hein, comme un supporter énamouré d'Emmanuel Macron. On comprend mieux. Non, mais on l'a appelé, il est très content. Mais pour poursuivre là-dessus, on a mené une bataille avec Annie David, Dominique Vatrin dans l'hémicycle par rapport donc à cette fusion. Parce que ce qui vient d'être dit au niveau notamment des CHSCT, c'est extrêmement grave. Parce que il n'y a pas seulement ce qui a été souligné par Benjamin, c'est que la question qui se pose, c'est qu'on va demander à des salariés, des syndicalistes, d'être, pertinents sur absolument tous les sujets. CHSCT, c'est tout ce qui concerne les questions de santé et donc de protection en termes de conditions de travail. Et c'est toute une réflexion et tout un travail et toute une intervention sur la prévention. Donc ça, c'est complètement laminé. Et quand on voit que ça vient après des attaques successives des inspecteurs du travail, de la médecine du travail, on voit donc dans quelle poursuite de dégradation des conditions de travail, finalement, les salariés vont se trouver. Et moi, ce que je veux dénoncer de manière très courte quand même, c'est qu'il faut être attentif à la petite musique qui est dite depuis ce matin, mais qui était déjà dite, en disant finalement... En gros, comme il y a un affaiblissement de la représentation syndicale, il y a moins de confiance des salariés dans les syndicats, vous savez, cette petite musique, etc. Alors on va être pragmatique et puis on va essayer de finalement pouvoir recentrer les moyens pour être plus efficace, etc. C'est tout le contraire. C'est pas, on n'est pas, nous, dans la défense des syndicats pour les syndicats. On est dans la défense des salariés et donc pour essayer de leur donner les outils qui vont leur permettre de faire échec à ce lien de subordination et donc à continuer à travailler dans l'entreprise pour améliorer les conditions de travail parce que on a vu que grâce notamment, il y a des exemples, mais on n'a pas le temps de les donner, mais grâce à l'intervention des CHSCT, il y a eu des entreprises qui ont été poursuivies justement et pour modifier leur plan quand ils avaient des plans, y compris de licenciement, les plans de licenciement, voilà. Donc là, ils sont en train de... C'est vrai que le MEDEF peut remercier le gouvernement, mais parce qu'on est dans une logique où là, il faut complètement pressurer les salariés pour donner la pleine satisfaction aux actionnaires. Oui, Pierre. Non, peut-être deux mots de plus là-dessus. Je crois que ce qui est en cause, effectivement, ce sont les droits des salariés. Et là, on est en train de réduire... les outils dont ils peuvent disposer pour se défendre et pour participer à l'élaboration de la stratégie, des politiques au sein même de l'entreprise. Et il y a une chose à laquelle on n'a surtout pas touché dans ce texte, dans ces ordonnances, ce sont les conseils d'administration, où se prennent l'essentiel des décisions, voilà. Oui. Où il y a les actionnaires, pour être clair. Il n'y a pas d'ordonnance là-dessus. Donc, il est évident que la manière dont les choses s'organisent, elle va plutôt réduire la possibilité d'intervenir, de peser dans le bon sens sur les décisions. Mais c'est l'esprit de ces ordonnances. Et ce que je veux dire, c'est là où il y a aussi de l'enfumage, c'est que c'est principalement les grandes multinationales
qui vont bénéficier de cette situation. Parce qu'on a d'abord un problème de diagnostic. Quand Édouard Philippe explique que ce projet de loi ne va pas permettre de lutter contre le chômage, il se prémunit parce qu'il sait très bien que de toute manière il n'y aura pas d'effet positif de ces réformes sur l'emploi. Donc il cherche à se prémunir, mais en réalité ça a été le principal argument pour allumer la mèche au départ. Et puis ensuite ça a disparu hein, dans le débat, on ne nous a plus du tout parlé du chômage. Mais alors si on ne fait pas ça pour s'attaquer au chômage, on le fait pourquoi ? Pour quelle raison le fait-on ? Moi j'attends une réponse à cette question-là de la part du Premier ministre. Et là, la réponse, je crains de l'avoir, on le fait effectivement pour contenter Pierre Gattaz, le MEDEF et la finance qui, pas simplement été épargnés par les différentes mesures qui ont été prises au cours de l'été, mais qui en plus ont vu, effectivement, tu parlais de la liste de Noël, qui ont vu tous leurs souhaits exaucés. Donc je crois qu'on est vraiment dans cette logique-là, et c'est ça qu'il faut contester et mettre à l'ordre du jour de la grande mobilisation qui doit avoir lieu. Dernier sujet. Puisqu'on parlait de la fusion dans cette instance unique, rappelez qu'on n'a toujours pas d'informations sur les moyens syndicaux alloués à cette... Non, c'est un peu important. Parce que Mme Bénicaud nous dit ça sera un décret plus tard. Oui, c'est ça, plus tard. Une fois que la mobilisation sera terminée, on aura un décret nous expliquant qu'on a des moyens syndicaux au rabais. Mais tous les syndicats, je peux vous dire, et même les plus réformistes et les plus accompagnateurs, sont inquiets sur cette question. Mais quels moyens derrière ? Et moi, ce que je pense aussi qu'il est important de souligner, c'est que toutes les propositions qu'on a faites dans l'hémicycle, c'est-à-dire pour dire il faut modifier la donne et donc donner des droits nouveaux aux salariés, parce que c'est ça la question qui se posait aussi, c'est comment les salariés, au contraire, peuvent intervenir, y compris dans les décisions de l'entreprise. Je peux te dire que la ministre était vent debout contre ces propositions et qu'elles ont toutes été rejetées. Et qu'on est d'accord pour modifier, pour améliorer le code du travail. Il y avait d'ailleurs des propositions, il y a eu tout un collectif très divers d'universitaires, d'économistes qui ont planché sur la question, qui ont travaillé, etc. Le gouvernement n'en a absolument pas tenu compte. Donc il y a des mesures alternatives qu'on a mis en débat, mais qui ont été rejetées. Bon, vous êtes bavard, mais je vais commencer à serrer un peu les choses. On est passionnés. Voilà. Juste sur, pour finir, mais tu l'as un petit peu effleuré, Pierre, c'est sur la question donc j'ai pas été assez bavard. Sur le périmètre du licenciement économique. Voilà. Donc manifestement, il y a un grand problème aujourd'hui pour l'emploi dans ce pays, c'est qu'on ne peut pas faire comme dans les autres pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cas comme Molex, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, est devenu insupportable pour les financiers qui aujourd'hui veulent pouvoir faire un plan social que dans un pays, pour une multinationale par exemple, dire aujourd'hui, ben voilà, je fais ce plan, même si je fais des bénéfices à l'échelle du monde. Donc, avec ces ordonnances, maintenant, ça va être possible. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus, puis après, on en parlera. Là, c'est extrêmement important, cette question-là, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en l'état, déjà aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, la législation française sur les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi, elle est déjà, en l'état actuel des choses, beaucoup moins contraignante que dans plusieurs pays européens. Mais là, alors, et puis il faut savoir que les PSE en France, déjà au jour d'aujourd'hui, ont fondu comme neige au soleil. C'est-à-dire qu'il y en avait à peu près 950 en 2011, il n'y en a plus que 550 aujourd'hui, grâce aux ruptures conventionnelles et une technique des entreprises qui licencient par groupe de 9, comme ça elles n'ont pas de PSE à mettre en place. Parce que dans les PSE, il y a des obligations de reclassement. Alors, ça vous montre déjà que pour celui qui veut contourner aujourd'hui le Code du travail en France, il a plein de moyens. Comme j'aime bien le répéter, le Code du travail en France n'est pas celui du Soviet de Petrograd, ça se saurait. Mmh. Mais avec cette idée du périmètre, c'est quand même très très intéressant. Parce que désormais, pour appréhender les difficultés économiques d'une entreprise justifiant un plan de licenciement, le périmètre ne serait plus l'international, mais le national. On sait, n'importe quel syndicaliste qui est dans un grand groupe vous dira qu'une entreprise, elle sait très bien, par le biais de montage et d'écriture comptable, créer des faillites artificielles et des difficultés artificielles. Et ça signifierait donc qu'une entreprise qui est en bonne santé à l'échelle internationale pourrait, sous prétexte qu'elle aurait des difficultés en France et qu'elle ne pourrait pas justement faire un rééquilibrage à l'échelle internationale, la seule solution, ce serait le licenciement. C'est sidérant, bien évidemment. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucun pays de l'UE qui a une disposition de ce type. La France, en adoptant cette disposition-là, serait le seul pays de l'UE à proposer ce type de disposition.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, les grands groupes en Europe qui vont avoir envie de mettre en place des faillites artificielles de ce type, eh bien, ils vont le faire en France, parce qu'en France, ils ont la possibilité de le faire. Et là où c'est incroyable, c'est que le gouvernement s'était engagé auprès de certaines organisations à leur donner un délai de 15 jours pour mettre en place une expertise, parce que c'est extrêmement difficile à détricoter ce truc-là. Le gouvernement a dit, on vous laissera 15 jours pour justement un délai d'expertise. Eh bien, il n'y est pas. Le gouvernement est revenu sur sa proposition. Histoire, vous savez, si par hasard une organisation syndicale était arrivée à approuver ça, ça aurait été gênant. Donc il n'y aura pas ce délai d'expertise et on facilite là ici les licenciements. Mais alors là, il faut être clair, c'est le permis de licencier dans le sens des licenciements boursiers. C'est une autorisation au licenciement boursier, cette histoire. Hein, c'est-à-dire un licenciement qui ne se justifie pas du tout par une difficulté économique, mais par la volonté de proposer aux actionnaires un chiffre, un taux de rentabilité à deux chiffres. D'accord. Bon, on a vu sur les quelques exemples choisis parcellaires, évidemment, la gravité de l'attaque. Donc, je pense qu'en plus, il faudra qu'on aille plus loin sur le décodage. Et bon, je pense qu'on va être assez attentif aujourd'hui parmi les organisations sociales, parmi les organisations politiques, pour justement voir un peu les détails et qui parfois sont gravissimes, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques lièvres à lever. Là, on vient d'en faire quelques-uns, mais évidemment, le travail est ample et puis le format de l'émission ne permet pas de prendre toutes les 156 pages. Par contre, je pense qu'il y a une chose que dès à présent, il faut faire. Et bon, on l'avait déjà un petit peu défleuré avant parce qu'on savait qu'il y avait une mobilisation. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour empêcher ça, sachant que c'est déjà bien engagé et que manifestement, ils sont très déterminés. Puis quand on voit en plus ce qu'a fait aujourd'hui Macron dans son interview au Point de 20 pages où carrément, on y va tout droit et puis qu'importe ce que diront les gens. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc d'abord, on va commencer par le mouvement social, parce que je crois qu'il a déjà une échéance importante. Donc je vais t'entendre. Vous savez, moi, je suis, comme je pense la plupart des CGTistes, tous les CGTistes, pas du tout impressionné par cette posture de matamor. Hein, c'était Jean d'Ormesson, un écrivain de droite, qui disait « Quand on est dans la posture, on n'est jamais loin de l'imposture ». Le gouvernement précédent aussi disait « Eh bien, on ira droit, on lâchera rien, etc. » C'était la petite ritournelle de Valls et Hollande. Que sont aujourd'hui politiquement Valls et Hollande? Ils l'ont payé très cher. Eh bien, Emmanuel Macron va le payer cher également. Il a une majorité très peu expérimenté, et surtout lui-même a une cote de popularité qui atteint des niveaux extrêmement bas, parce que justement les Français sont très majoritairement hostiles. Moi je suis sidéré que, mais positivement, que si tôt, alors qu'on est même pas, on est encore à la fin du mois d'août, 65% des Français, c'est un sondage que j'ai entendu hier sur LCI, 65% des Français sont hostiles et défavorables aux ordonnances. Attendez, il n'y a pas eu une journée de grève, et déjà, vous avez les deux tiers des Français qui sont hostiles aux ordonnances Macron. Ça veut dire que la bataille des idées, il l'a déjà perdue. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer de la victoire idéologique à la victoire tout court. Pour ça, vous savez, là aussi, moi, je ne vais pas vous tenir le discours de l'innovation. On connaît l'histoire du mouvement ouvrier. Il n'y a qu'une seule chose qui fera reculer ces gens, c'est la mobilisation. Voilà, une mobilisation acharnée, une mobilisation massive. Et dans les distributions de tracts que nous faisons, dans les contacts que nous avons vis-à-vis des salariés, on sent une colère. Alors il faut qu'elle se concrétise. La CGT, moi j'ai été extrêmement satisfait d'entendre Philippe Martinez lors de l'AG de rentrée dire que la CGT allait proposer une deuxième date très rapprochée du 12. C'est-à-dire que la CGT, elle est déterminée à se battre. Et derrière, alors on a pu entendre les déclarations de Jean-Claude Mailly qui, à mon avis, ne lui font pas honneur. Et ce qui est très intéressant, nous, on a pu le voir dans le Val-de-Marne, où l'Union départementale FO du Val-de-Marne, en lien avec l'Union régionale FO du Val-de-Marne, vont participer, comme des dizaines de structures de force ouvrière, à la mobilisation. Voilà. Et donc, derrière, on a l'UNEF, on a la FSU, on a Solidaire. La CGT, elle n'est pas du tout isolée. D'abord, elle est avec les salariés. Et quand on est avec les salariés, on n'est jamais isolé. On a une belle bataille à mener. Et de toutes les façons, il est clair, moi j'en ai la conviction, que de toutes les façons, arriver dès maintenant avec la question des ordonnances à faire rendre gorge à Emmanuel Macron, eh bien ça nous aidera pour tout le programme scélérat de régression sociale qu'il a prévu. Et surtout, rappelons à tout le monde qu'Emmanuel Macron a été élu face à l'extrême droite.
avec des millions de Français qui se sont déplacés, non pas pour adhérer à son programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Et avec aussi des millions, une abstention politique record. Il n'a pas le mandat pour démanteler le modèle social français, mais il a ce mandat-là du patronat. Eh bien, c'est un beau bras de fer qui s'annonce et nous avons bien l'intention de le gagner. Merci Benjamin. Du point de vue donc du politique, oui. Comment on va s'engager dans cette bagarre? D'abord, nous, on est... conforté en tout cas, pleinement enthousiaste devant le discours qui vient d'être produit, parce que on sent qu'il y a une mobilisation qui monte depuis quelque temps déjà, à laquelle les organisations syndicales travaillent sur le terrain, avec des appels à la grève qui commencent quand même à atteindre des niveaux importants, ce que je crois entendre dans les Bouches-du-Rhône en tout cas. Je crois qu'il y a des mobilisations très fortes qui sont devant nous. Benjamin a rappelé la bataille contre la loi El Khomri, où parfois, il y a eu le sentiment que ça avait été une défaite pour le mouvement social. Et je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, parce que bien sûr, le retrait de la loi n'a pas été, l'abrogation non plus, n'ont pas été obtenues. En revanche, dans l'écriture de la loi, ça a permis de gagner des choses. Parce que ce dont on a parlé précédemment sur l'élargissement du périmètre des licenciements économiques, déjà, c'était prévu dans la loi El Khomri et ça a été retiré à cause, y compris, de la mobilisation. Et la deuxième chose, mais Benjamin l'a dit à sa façon, c'est que la bataille des idées, elle a été gagnée. Elle a été gagnée parce que plusieurs mois après que la loi avait été votée, on continuait, dans l'opinion, majoritairement, de demander l'abrogation de cette loi. Donc moi, je pense que tout ça, ça continue d'exister dans la société française et il faut que ça se manifeste. On ne peut pas dire que ça soit manifesté de façon suffisamment forte lors des élections qui se sont déroulées en 2017. Mais là, il y a une occasion encore de se faire entendre et je pense qu'il faut la saisir. Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à mener cette bataille des idées, cette bataille politique, à essayer d'être utile au développement de ces mouvements populaires, de ces mouvements sociaux qui... je crois, sont déjà évidemment bien lancés. Nous allons le faire parce que d'abord, nous avons parlé à chaque occasion qui nous a été donnée de le faire dans l'hémicycle, dans les médias, pour dévoiler le contenu de ce texte. Les syndicats l'ont fait également de leur côté. Nous avons décidé avec nos camarades du Sénat de sortir un tract qui va être diffusé dans tout le pays pour dévoiler le dynamitage social qui est contenu dans ces ordonnances et mettre dans le débat les propositions que nous avons faites et que nous voulons continuer de porter pour les mettre à disposition de tous ceux et celles qui voudraient débattre. Donc ça va y contribuer. Et puis, il va y avoir évidemment de nouveaux rendez-vous. Nous allons participer à tous les débats qui seront organisés, auxquels nous serons invités sur le sujet. J'en ai déjà un, moi, qui est programmé samedi dans ma circonscription. Nous allons poursuivre également la bataille parlementaire. Parce que la loi d'habilitation a été votée, mais il va y avoir la loi de ratification. J'ai bien entendu, j'ai bien lu ce qui a été écrit, dit par Emmanuel Macron, selon lequel plus rien ne va bouger maintenant. Cela étant dit, on va quand même essayer d'exercer nos droits. Donc il y aura encore des moments pour pouvoir faire valoir le rapport de force. Donc tout ce qui va pouvoir permettre de faire grandir la mobilisation populaire, je crois, ira dans le bon sens et permettra peut-être de faire reculer ce gouvernement sur ce projet de loi. Je crois qu'il ne faut pas considérer que parce que les ordonnances sont publiées, les choses sont définitivement écrites. Bien au contraire, la bataille ne fait que commencer. Un mot peut-être aussi, j'ajoute là-dessus, mais bien sûr, dans le sens de ce qui vient d'être dit, la bataille, on est dans des étapes de la bataille et ça va se poursuivre. On sera présent dans la rue le 12, on sera dans les hémicycles, on sera aussi à la fête de l'UMA avec le plus grand rassemblement populaire de France et avec des débats qui vont se multiplier et auxquels nous allons participer pendant tout ce week-end. Mais ce que je voudrais dire aussi, et ce qui est aussi important de souligner dans la bataille des idées, c'est qu'on essaye de faire passer ceux qui se battent concrètement, les syndicalistes, les citoyens, tout le mouvement social, les parlementaires qui se battent contre ces lois de régression, on essaye de les faire passer pour des passéistes. Et eux seraient des femmes et des hommes de progrès modernes. Moi, je revendique, si c'est être un gars, que de revendiquer
en 2017, au moment où il y a des progrès technologiques extraordinaires, de travailler 32 heures sans perte de salaire, eh ben moi, je revendique d'être un garde avec l'ensemble de mon groupe. Parce que, effectivement, moi, je trouve qu'on est du côté du progrès. Et quand on essaye de dire que la bataille, elle est finie, il y a tous les rendez-vous là dont on a parlé brièvement, mais c'est pas parce que les ordonnances vont être ratifiées, encore faut-il attendre qu'elles soient ratifiées, mais ça sera pas écrit une bonne fois pour toutes dans le marbre, ça dépendra des rapports de force que l'on aura réussi à faire bouger. Et il y a une petite chose qui me semble importante, c'est y compris le modèle qui est prôné par Macron, hein, auto-entrepreneur, etc. Moi, je trouve qu'il y a une lutte qui est intéressante, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est les Deliveroo, là. Ils se battent pour quoi ? Soi-disant, c'est ces travailleurs qui avaient tout, etc., qui sont finalement le modèle rêvé de Macron. Eh bien, ils se battent pour avoir les protections collectives qu'ont aujourd'hui les travailleurs et qui sont mises à mal par Macron. Donc ça aussi, c'est une source d'espoir. C'est-à-dire que moi, je trouve que dans ce pays, aujourd'hui, il y a des convergences possibles avec ceux, justement, qui sont discriminés dans les entreprises et avec ceux qui sont effectivement en recherche du travail, qui ont pensé que la solution de l'auto-entrepreneuriat était une bonne solution et qui s'aperçoivent des pièges et qui ont besoin de protection et qui ont besoin d'avoir des acquis. Et puis ceux qui aujourd'hui sont dans les entreprises avec des conquis de haute lutte et qui doivent les préserver et améliorer les conditions. Donc tous ces rendez-vous-là, moi je trouve que c'est porteur d'espoir et que la bataille, elle est loin d'être terminée. Et Macron, il faut quand même l'empêcher de continuer de nuire parce que c'est l'homme finalement des milieux d'affaires et il est là pour aller encore plus loin. C'est-à-dire que non seulement il y a le code du travail dynamité, mais derrière il y a l'assurance chômage et derrière il y a la protection sociale. Je suis très sensible à cette question-là comme beaucoup de Françaises et de Français. La sécurité sociale, la protection sociale, c'est un conquis de haute lutte et donc ça, il veut aussi y toucher. Donc on peut avoir d'autres débats sur ces questions-là aussi. Un dernier mot avant que je conclue. Oui, non, juste deux, trois éléments, parce que il faut. Laurence vient de le faire, c'est pour ça que je demandais la parole, parce que il faut remettre tout ça dans le contexte du panorama général. C'est-à-dire que la ministre, elle a annoncé 6 chantiers. Et parmi ces chantiers, il y a effectivement des attaques en règle contre la protection sociale, des attaques en règle contre les retraites. Il y a ce qui a déjà commencé d'être dit sur les allocations logement, avec la baisse de 5 euros des allocations qui vont déjà se faire sentir durement pour tout un tas de familles populaires dans ce pays. Bon, donc on est dans un panorama général où il y a des attaques contre effectivement les droits sociaux qui se démultiplient. Donc je pense qu'il faut réellement prendre conscience que là, il y a un caractère supplémentaire à la nécessité de cette mobilisation, c'est qu'il faut éduquer Emmanuel Macron. Il faut lui faire comprendre qu'il y a des limites. Voilà. Il y a des limites. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, tout seul, comme ça, parce qu'il a décidé dans son bureau de l'Élysée. Voilà. Il y a des réalités sociales. Il y a des gens qui ont leur mot à dire. Et les citoyens en premier lieu, et il y a, y compris dans ce pays, je crois qu'il n'y a pas de majorité pour la démolition sociale qui est programmée. Donc c'est ça qui est un peu à l'ordre du jour avec les premières mobilisations qui viennent là. Donc on a parlé, Laurence l'a fait, de la fête de l'humanité, qui sera sans doute un des grands rendez-vous de la rentrée sociale et politique, y compris rehaussé par la mobilisation qui vient et par les annonces qui viennent d'être faites. Il y aura quelques rendez-vous que je veux citer si j'y suis autorisé pour riposter à la vôtre. Bon, ben, si tout vas-y, est... Vas-y. Très bien, très bien. Non, Gérald, tu donneras les informations. Mais en tout cas, je pense que la fête de l'humanité, elle doit effectivement être ce moment aussi où le bouillonnement de la mobilisation et des idées nouvelles aura lieu. Voilà, donc, Et avant que tu donnes les rendez-vous, il y a aussi quand même, je manquerai à mes devoirs, que de dire que, en tout cas, tout ce qu'on a défendu, là, tous les trois, on va le porter pour les élections sénatoriales, parce que c'est aussi extrêmement important d'avoir au Sénat, et on l'a bien vu, un groupe qui défende non seulement les salariés, mais l'ensemble des citoyens. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je porterai au moment des sénatoriales le 24 septembre. Alors pour terminer cette émission, d'abord, je vais vous montrer, ça c'est la carte pétition qu'édite le Parti communiste, hein, non aux ordonnances, donc à faire signer à bloc pendant tout le mois avec des rendez-vous qui seront programmés. Donc ça, là, elle est disponible dans toutes les sections fédérations.
Donc il y a la fête de l'UMA. Alors parmi les rendez-vous de la fête de l'UMA, parce qu'il y en a plein en fait. Il y en a beaucoup. Il y en aura un qui va concerner les parlementaires le vendredi soir, qui sera une réception au stand national avec tous les parlementaires. Le samedi, à l'Agora de la fête de l'UMA, il y aura le procès donc, des ordonnances, où là on prendra du temps dans l'après-midi pour pouvoir aller au fond des choses. Et on aura aussi la visite de Philippe Martinez qui viendra au forum social débattre avec donc, des acteurs syndicaux. Donc vous avez compris, la rentrée est combative. Et je vous remercie d'avoir donc eu la patience d'écouter notre échange. Et puis j'espère que ce type de rendez-vous va se prolonger et aura quelques futurs. Voilà. Merci à vous. Merci. 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 Voilà. C'est bon. Bon, une heure, hein.